Ce qu'on va faire ensemble, c'est lui donner sa forme puis le polir. Et pour ça, la première étape, ce sera le façonnage sur les bandes abrasives. C'est comme ça qu'on va donner la forme. Donc on va attaquer avec la bande bleue qui est sur le fond des bastons. C'est une bande de 40. C'est l'abrasif le plus agressif qu'on va utiliser. Avec cette bande-ci, on va venir suivre le contour du couteau pour enlever tout l'excédent de matière. On va venir mettre à plat les plaquettes en ébène, les platines et le ressort. Et une fois que tout ça sera droit, on passera une seconde bande avec laquelle pour le coup on va donner la forme du manche pour mettre en galop.